Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour écouter Mathieu Ricard ce soir. Merci Mathieu Ricard, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors Mathieu Ricard, vous êtes moine bouddhiste, vous vous êtes engagé dans le bouddhisme il y a à peu près 40 ans, après avoir fait une thèse en génétique cellulaire sous la direction de François Jacob. Et depuis, vous avez publié quelques ouvrages où vous avez toujours l'envie de combiner la spiritualité, les enseignements bouddhistes et une rigueur intellectuelle que vous avez héritée de votre formation scientifique. Ça se retrouve absolument dans le dernier livre que vous venez de publier aux éditions du Nil, « Plaidoyer pour l'altruisme », qui est une étude colossale, mais passionnante, autour de la notion d'altruisme, alors qu'il y a une notion qui peut paraître un peu floue, mal définie. C'est vrai qu'on a parfois du mal à savoir de quoi on parle quand on parle d'altruisme. Et plus que jamais dans ce livre, vous avez eu le souci de conforter toujours de manière rationnelle, de manière scientifique, chaque chose que vous avancez concernant l'altruisme. Et vous faites appel à différentes disciplines scientifiques, beaucoup de neurosciences, de psychologie cognitive, de biologie, et les collaborations scientifiques sont nombreuses, les expériences multiples, et ça fourmille également d'anecdotes, de faits de vie, de récits de vie, donc ce qui rend la lecture absolument passionnante. Alors, pour commencer, pour ma première question, qui est assez logique en fait, quand on lit votre livre, on se rend compte, on a un peu l'impression que, comme je disais, vous avez le souci d'être précis et de toujours conforter un petit peu scientifiquement ce que vous avancez. Est-ce que vous aviez prévu que ce livre allait vous prendre autant de temps, autant de travail? Comment avez-vous construit le projet de ce livre? Oui, enfin, pas du tout, en fait. C'est vrai que j'étais passionné par l'idée de l'altruisme et de la compassion, qui est au cœur du bouddhisme, mais aussi, et c'est ce qui m'est apparu avec de plus en plus d'évidence, qui est au cœur de nos problèmes de société et qui fait partie de la solution la plus pragmatique pour l'avenir et pour les défis auxquels nous faisons face. Pragmatique parce que souvent, l'altruisme a été souvent perçu comme une sorte de noble utopie ou presque d'un luxe qu'on pouvait se permettre quand tout allait bien. On pourrait être altruiste à partir du moment où tous nos besoins sont satisfaits et après on s'occupe un peu des autres. Alors, mon propos au départ, c'était simplement de relever l'importance de l'altruisme, de montrer que l'altruisme véritable existait bien, puisque certains en ont douté, sans pour autant avancer la moindre, preuve, soit philosophique, soit scientifique de leurs affirmations. C'était vraiment des a priori. Et aussi qu'on pouvait le cultiver, c'est-à-dire que ce potentiel d'altruisme que nous avons tous, bien qu'à des degrés divers, il y a des gens qui sont spontanément, font preuve de grande bonté, donc qui ont plus de mal, mais quel que soit notre point de départ, je voulais montrer qu'il y a une possibilité de changer. Et puis au fur et à un moment où je commençais à me pencher plus sérieusement sur ce travail, je me suis aperçu d'une part qu'il y avait beaucoup plus de courants de pensée que je n'imaginais qui avaient pris des positions très surprenantes sur l'altruisme, notamment certains qui disaient « l'altruisme est immoral ». Une philosophe américaine qui a une énorme influence aux États-Unis, qui s'appelle Ayn Rand, elle écrit un livre qui s'appelle « La vertu d'égoïsme ». Ça ne serait pas grave si c'était une folle un petit peu dérangée dans un coin, mais le fait qu'elle ait une énorme influence aux États-Unis et qu'on ne peut pas comprendre la division politique aux États-Unis entre ultra-conservateurs et démocrates tient à la pensée d'Ayn Rand. J'ai aussi été... Donc ça, c'était une chose. Deuxièmement, la deuxième découverte que j'ai faite en abordant ce travail, c'est que... En vérité, de plus en plus de choses m'apparaissaient comme étant liées à la question de l'altruisme et de l'égoïsme. Par exemple, au départ, toute la dernière partie du livre, que j'ai laissée assez longtemps inexplorée,
En fait, je ne m'imaginais pas du tout que j'allais écrire un chapitre sur l'environnement. Je ne cherche pas à faire une encyclopédie. Mais pourquoi est-ce que ça me... Soudainement, je me suis dit, mais l'environnement, c'est une question d'altruisme et d'égoïsme. Tout simplement. Aussi complexe la question de l'environnement soit-elle. Ça se résume à ça. Pourquoi ça se résume à ça? Parce que ce qui pourrait être fait et devrait être fait, selon les scientifiques, ne peut être accompli que si l'on a de la considération pour les générations à venir. Si on s'en fiche, on n'a aucune raison de se préoccuper de ce qui va se passer dans 100 ans. Après moi, le déluge, c'est tout simple. Et c'est ce que disent beaucoup d'économistes. Alors, par exemple, non seulement des économistes, mais des gens qui ne visent que leurs intérêts personnels. Alors, pour le dire sur une note un peu humoristique, Groucho Marx, vous savez, le fameux comique américain, disait « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Mais malheureusement, cette boutade a été reprise très sérieusement par le milliardaire américain Stephen Forbes, que j'ai entendu dire sur Fox News, une chaîne de télévision ultra-conservatrice. On lui parlait de la montée du niveau des océans, hein, le fait que le Bangladesh pourrait être aux deux tiers sous l'eau dans 50 ans. Il disait « Je trouve absurde de modifier nos comportements maintenant pour quelque chose qui va se passer dans 100 ans ». Donc l'absurdité, à mon sens, n'est pas là où on le pense, mais c'est une attitude assez courante. Donc l'environnement est une question d'altruisme et d'égoïsme. De ce fait, si l'on veut envisager la question dans sa totalité, on ne peut pas ne pas parler de ça. D'autre part, à un moment donné, je me suis aperçu, bon, si je montre effectivement, au vu de tous ces travaux scientifiques, de cette réflexion des logiciens qui ont montré que l'idée de l'égoïsme universel tenait pas la route, si je montrais qu'effectivement tout ça, l'altruisme existait et qu'on pouvait le cultiver, et que je m'arrêtais là, on allait dire, mais c'est d'une naïveté invraisemblable, regardez les génocides, les psychopathes, etc., le narcissisme, qu'est-ce que vous avez à répondre à cela? Donc il fallait examiner les forces contraires, il y en a bien sûr, il ne faut pas être naïf, mais ces forces contraires, elles ne sont pas venues de nulle part. Il y a des causes, il y a des mécanismes, il y a des processus qui mènent à la déshumanisation de l'autre, à la désindividualisation de l'autre, à dévaloriser l'autre jusqu'au point de traiter les gens comme des cancrelats et des vermines et à les exterminer, ou à traiter les animaux, c'est dans le code civil français, comme des biens mobiliers mobiles. C'est-à-dire, sachez-le, un mouton est un tabouret qui se déplace. Donc c'est dévaloriser des êtres sensibles. Et donc il fallait comprendre ces mécanismes pour éventuellement y remédier. Et puis finalement proposer des solutions. Donc l'un dans l'autre, c'était un peu comme un paysan qui commence par cultiver un champ assez petit, donc il fait un certain nombre de sillons, et puis brusquement il regarde et s'aperçoit que le champ fait le double. Donc il a fait 10 sillons, il a encore 90 à faire, donc il fait ses sillons, il arrive à 80, il regarde, maintenant il y a 200 sillons à faire. Donc j'en voyais pas la fin, c'est vrai, et ça m'a demandé une certaine persévérance. Et 5 années à un moment donné, je me sentais comme Bernard Palissier qui brûlait son plancher pour faire ses pots, là. Enfin bon, j'ai pas brûlé mon plancher, ça tombe bien, parce que le plancher de mon ermitage, il fait 2 mètres sur 3, ça aurait pas été très loin. D'accord. Il me semble que, de manière un peu sous-jacente, derrière ce projet, il y a aussi une vision, une vision du monde, une vision de l'humanité. Alors, vous allez nous le dire, qui est peut-être héritée aussi du bouddhisme. C'est cette idée d'interdépendance qui est très forte chez vous. C'est-à-dire, aucun être n'est isolé, aucun phénomène n'est isolé, et tout a un effet sur un autre phénomène, sur une autre partie. Est-ce que c'est une vision que vous tenez directement du bouddhisme ou pas? Alors, l'interdépendance, évidemment, est une notion essentielle dans le bouddhisme, puisque c'est celle qui est décrite, d'après le bouddhiste, de manière la plus juste, la nature de la réalité. C'est la nature des phénomènes. Selon le bouddhisme, il n'existe nulle part dans l'univers une quelconque entité qui existe par elle-même, en elle-même, qui ne soit pas d'autre cause qu'elle-même et qui soit indépendant ou autonome. Ça n'existe pas. D'ailleurs, si une telle entité existait, on pourrait dire qu'elle ne fait pas partie de l'univers puisqu'elle ne se relierait en rien au reste. Donc l'interdépendance est certainement au cœur de cette analyse du bouddhisme, et ça l'a conduit
à autre chose, c'est-à-dire notamment à se dire, ben, si tout est, est né en dépendance avec autre chose. Donc par exemple, si je m'imagine qu'au fond de moi-même, il y a une entité autonome, unitaire, constante, qui serait mon moi, ou l'ego, ou le soi, à ce moment-là, de nouveau, j'essaie de recréer une sorte d'entité indépendante. Donc, quelles sont les conséquences de cela? C'est de voir que notre expérience est un flot dynamique en constante transformation et qu'il n'y a pas au centre de tout ça quelque chose qu'on peut désigner comme le soi qui serait une unité indépendante. Mais ceci dit, donc c'est au cœur du bouddhisme bien sûr, c'est aussi la notion d'impermanence, la notion de causalité mutuelle, que chaque chose n'est pas due à une seule cause, mais à un ensemble de causes et de conditions, etc. etc. Mais attention, ce n'est pas la vision bouddhiste de l'univers. C'est est-ce que l'univers est comme ça ou il n'est pas comme ça? Et s'il n'était pas comme ça, à ce moment-là, la vision bouddhiste serait désuète. Or, il se trouve que c'est bien la nature de l'univers que d'être interdépendante. La physique vous le dit à tout instant, rien n'existe en soi et par soi et uniquement par... Donc c'est évidemment un point sur lequel le bouddhisme a mis l'accent, mais c'est aussi, il s'avère être, la raison de la réalité. Deuxièmement, en quoi est-ce que l'interdépendance est liée intimement à la notion d'altruisme et de compassion? Parce que si vous imaginez que vous êtes une sorte d'entité plus ou moins autonome, vous pouvez vous dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire mon bonheur. Après tout, je suis séparé du reste, donc je peux très bien construire mon bonheur dans ma petite bulle. Et puis, je ne suis pas contre le fait que les autres cherchent le bonheur, mais ce n'est pas mon affaire, parce qu'ils sont différents, fondamentalement. Donc ça, si c'était vrai, bon, à la rigueur, mais comme ce n'est pas le cas, du coup, en partant sur cette hypothèse, sur ce postulat, on devient naturellement dysfonctionnel. Puisqu'on est constamment en porte-à-faux avec la réalité. Donc, d'abord, ça vous rend misérable parce que vous vous isolez dans la bulle de l'ego. Et comme dit mon ami philosophe Alexandre Jolien, dans l'ego, ça sort le renfermé. Donc, ça ne marche pas. D'autre part, ça n'est pas adapté à la réalité. Tandis que l'altruisme, qu'est-ce que c'est? C'est aussi reconnaître que tout comme moi, les autres êtres souhaitent éviter la souffrance. De même que j'accorde de la valeur au fait que quand je me réveille le matin, je ne souhaite pas souffrir toute la journée. Donc j'accorde une valeur à ça, j'ai de la considération pour cela. Alors, il n'y a aucune raison que je n'accorde pas de la valeur aux aspirations légitimes d'autrui à éviter la souffrance et à connaître le bonheur. Et comme je comprends que tout le monde est interdépendant, mon bonheur et le leur sont intimement liés, du coup, ça fonctionne parce que l'altruisme est en harmonie avec la réalité, à l'opposé de l'égoïsme. Alors, vous avez parlé d'altruisme et de compassion. Faites-vous une différence entre altruisme et compassion? Alors, bien sûr, les mots sont différents, donc ils ont, espérons-le, un sens différent, à moins qu'ils soient des synonymes parfaits. Alors, bien sûr, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des étymologies pour chaque mot, et puis il y a le sens qu'on leur donne en psychologie, dans le bouddhisme, qui ne sont pas forcément exactement... Donc, compassion veut dire souffrir avec, et dans le bouddhisme et dans la psychologie, ce n'est pas exactement ce qu'on entend par ça. Donc, les définitions que j'ai utilisées, qui sont celles à la fois du bouddhisme et de la psychologie. Le plus grand spécialiste de l'altruisme en psychologie au XXe siècle, qui s'appelle Daniel Batson, qui a étudié ça pendant 30 ans et qui a montré que l'altruisme véritable existait, définit, tout comme le bouddhisme, l'altruisme comme une motivation. C'est le désir d'accomplir le bien d'autrui. C'est-à-dire, c'est le désir et l'intention d'accomplir le bien d'autrui. Donc ça, c'est le but de votre pensée, c'est le but ultime, c'est la raison qui l'anime, et dans la mesure du possible, ça doit être suivi d'une action. Mais si les circonstances empêchent cette action de s'accomplir, ça n'enlève en rien le caractère altruiste de la motivation. Par contre, une action bénéfique, c'est-à-dire qui fait du bien à autrui, mais qui peut-être n'est pas nécessairement motivé par une motivation altruiste. Vous pouvez très bien faire un très beau cadeau à quelqu'un avec la seule idée de gagner ses faveurs et de l'escroquer par la suite. Dans ce moment-là, l'action est dans le moment bénéfique, mais avec une motivation extrêmement égoïste.
La compassion, c'est en fait la forme que prend cette bienveillance inconditionnelle de l'altruiste lorsqu'elle est confrontée à la souffrance. Donc c'est un aspect particulier de l'altruisme qui, rencontrant la souffrance, souhaite que cette souffrance disparaisse ainsi que ses causes. Alors bien sûr, si l'on voit, comme le Bouddha l'a enseigné, la souffrance un peu partout dans le monde de l'ignorance, c'est-à-dire non seulement la souffrance visible d'un mot de dent, d'un mal de dent ou d'un massacre, mais aussi la souffrance moins visible qui est liée à l'ignorance, à ce moment-là, la compassion et l'altruisme vont presque tout le temps de pair, puisqu'il y a toujours la souffrance en germe tant que l'ignorance demeure. Et il y a une troisième notion, l'empathie donc, qu'on emploie bien un peu à toutes les sauces depuis quelques années, c'est un peu un terme, dirons, à la mode, presque un synonyme dans le langage courant de l'altruisme, mais ce n'est pas le cas. L'empathie est définie beaucoup plus précisément comme deux choses. D'une part, une résonance affective, c'est-à-dire que si vous venez vers moi avec un grand sourire, ça me met un peu en joie, donc je résonne avec votre joie. Si vous souffrez et que j'ai de l'empathie, je souffre de votre souffrance. Et les études en neurosciences ont montré que dans votre cerveau, c'est bien les aires de la souffrance qui sont activées. Vous souffrez réellement de la souffrance de l'autre. Donc, c'est une sorte de signal d'alarme qui vous dit « l'autre souffre ». Et quand vous avez de la bienveillance et de l'altruisme, cette signal d'alarme qui vous informe que l'autre souffre, va déclencher cette sollicitude empathique qui souhaite répondre aux besoins d'autrui. Si, en revanche, vous n'avez pas cette composante de bienveillance et d'altruisme qui est plus vaste et que vous n'avez que l'empathie, vous pouvez tomber dans une sorte de détresse empathique parce que l'empathie livrée à elle-même, souffrir constamment de la souffrance de l'autre, ça mène à un épuisement émotionnel. De ce fait, l'empathie toute seule ne suffit pas. Voilà. Oui, absolument. Donc vous montrez dans ce livre que l'altruisme véritable existe, qu'il existe en chacun de nous. Vous différenciez l'altruisme naturel de l'altruisme étendu. L'altruisme naturel étant pouvant s'apparenter à l'amour parental ou l'amour qu'on a, la bienveillance qu'on a pour nos amis, nos proches. L'altruisme étendu qui est plus difficile à atteindre, qui est justement celui-là qu'il faut cultiver, nous demande d'être bienveillant envers tous les êtres sensibles, humains et non humains, y compris les gens que l'on n'aime pas, nos ennemis, ce qui fait aussi appel à un idéal un petit peu du bouddhisme. Vous évoquez un moment la bodhicitta, c'est ça, étendre la bienveillance à tous les êtres. Donc vous expliquez que c'est cet altruisme-là qu'il faut cultiver. Alors comment cultive-t-on l'altruisme ? Alors, d'abord, oui, l'altruisme biologique, disons, c'est l'évolution nous a donné ce don qui, sauf exception dramatique, fait que nous prenons soin de nos proches, notamment de nos progénitures, l'instinct maternel, l'instinct paternel. C'est une sorte d'instinct qui n'a pas besoin d'être suscité. Et ça s'étend, en gros, aux personnes vulnérables dont nous avons la responsabilité, qui sont dans le cercle de nos personnes proches. Ça peut être, par exemple, les personnes âgées qui sont vulnérables, dont nous prenons soin. Donc, on a reçu ça de l'évolution, mais très souvent, des facultés qui sont apparus ainsi au fil de l'évolution, peuvent être aussi utilisés pour autre chose, comme une base sur laquelle construire davantage. Et donc là, c'est par la réflexion de se dire, bon, j'accorde de la valeur à mes enfants, par exemple, parce que je souhaite qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent s'épanouir dans l'existence, qu'ils puissent prospérer, qu'ils soient heureux, que leur échappe à des grandes souffrances, etc. Donc vous accordez, vous êtes concerné par eux, vous formez des souhaits pour qu'ils s'épanouissent, vous avez l'intention de faire ce qu'il faut pour essayer de faciliter ça, et en gros vous êtes concerné par eux parce que vous avez accordé de la valeur. Alors
L'altruisme étendu, ça consiste à dire, ben oui, mais les autres enfants du monde, les autres adultes du monde, les autres personnes âgées du monde, les animaux, tous les êtres qui font la différence entre le bien-être et la douleur, il n'y a pas un qui souhaite être malheureux, donc pourquoi n'accorderais-je pas de valeur à cela ? Donc, les inconnus qui, tout être sensible, mérite que nous étendions notre altruisme à leur égard. Ça ne veut pas dire que dans la réalité, pratiquement, nous allons pouvoir remédier à toutes les souffrances du monde, mais c'est un peu comme un soleil qui brille sur tout, et si quelqu'un vient dans le champ de ses rayons solaires, il recevra de la chaleur automatiquement. Donc il y a une sorte de prédisposition ou de disponibilité à être bienveillant à l'égard de tous, qui n'est pas une chose abstraite, parce que chaque personne qui se présentera dans le champ de votre attention, vous avez a priori de la bienveillance à son égard, et dans la mesure du possible, vous essaierez d'accomplir son bien. Alors, la question qui est souvent posée, mais que faire avec des personnes difficiles ? Alors, généralement, les personnes difficiles, ce n'est pas des personnes très éloignées, c'est toujours mon voisin de palier ou mon collègue de bureau, ou des choses comme ça. Alors, qui, en dépit de tous mes bons sentiments, ne cesse de me traiter de façon absolument inacceptable. Ou alors, bien sûr, dans des cas beaucoup plus tragiques, des ennemis de l'humanité, comme des dictateurs sanguinaires qui font du tort à autrui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par étendre l'amour altruiste et la bienveillance à l'égard de ces personnes ? Bien évidemment, ça ne consiste pas à souhaiter qu'un dictateur réussisse dans ses funestes entreprises. Ça ne serait pas de l'altruisme, puisqu'il fait du tort à l'humanité. C'est d'abord souhaiter qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, l'empêcher de nuire, mais bien plus que ça, souhaiter, un peu comme un médecin qui regarde quelqu'un de très malade, souhaiter qu'il guérisse des raisons même qui ont fait qu'il est devenu un dictateur sanguinaire, c'est-à-dire la haine, la cruauté, l'indifférence, etc. Un peu comme un médecin qui traite une personne qui est extrêmement dérangée mentalement. Si ce patient vient à frapper le médecin comme ça, le médecin va ramasser un gourdin derrière son fauteuil et en asséner un grand coup sur la tête du fou furieux. Il va l'empêcher de nuire, il va peut-être le mettre une camisole momentanément et après, essayer de trouver les moyens appropriés pour le soigner. Donc, encore une fois, la bienveillance à l'égard d'un dictateur, c'est souhaiter, et dans la mesure du possible, que ces poisons mentaux qui font qu'il est un dictateur disparaissent de son esprit. Donc la compassion et l'amour altruiste s'adressent à toutes les formes de souffrance, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, c'est différent d'un jugement moral. On jugerait qu'un dictateur est un être extrêmement pervers et malveillant, c'est un jugement moral, mais du point de vue de la compassion, c'est quelqu'un d'extrêmement malade et il vaudrait mieux qu'il soit soigné parce qu'à ce moment-là, le problème serait réglé. D'accord. Vous insistez aussi sur donc la pratique de l'altruisme au quotidien. Vous précisez que c'est un petit peu comme une discipline sportive ou artistique, c'est-à-dire qu'il faut un entraînement. Donc, vous parlez souvent d'entraînement d'esprit, c'est quelque chose qui revient aussi chez de nombreux auteurs issus du bouddhisme, et notamment sur la méditation, sur le pouvoir. Comment médite-t-on sur l'altruisme, sur l'amour ? Alors, ou sur la compassion ? Bien sûr, l'entraînement de l'esprit, finalement, moi, ce qui me... Comment je dire ? Que je trouve le plus curieux, c'est qu'en fait, on sait très bien que la quasi-totalité des capacités dont nous jouissons ne sont pas tombées du ciel. C'est-à-dire que nous ne sommes pas nés en sachant lire, écrire, jouer du piano, résoudre des équations mathématiques, courir un marathon, etc. etc. On s'est entraîné à tout ça. On a appris. Alors, si on accepte ce principe pour quasiment toutes nos capacités. C'est un peu bizarre de s'arrêter là et de s'imaginer qu'en ce qui concerne des qualités fondamentales que sont l'amour altruiste, la paix intérieure, la liberté intérieure, qui malgré tout sont des capacités, puisque nous voyons que nous en sommes doués de manière diverse. Par quel mystère est-ce que ces qualités-là échapperaient à cette règle et seraient, dès le départ, à leur point optimal? Ça serait comme si, brusque, on était... on doit tout s'entraîner pour tout, sauf pour le piano, où on serait un virtuose dès le départ.
Non, ça n'a pas de sens. Donc, c'est normal qu'il faille s'attendre au fait que des capacités que nous avons, dont nous avons le potentiel, mais qui sont encore à l'état latent, qui sont encore dormantes, eh bien, que par l'exercice, elles atteignent à leur point optimal. C'est-à-dire qu'il y a une marge de manœuvre, et cette marge de manœuvre, elle sera parcourue grâce à l'entraînement, grâce à la pratique. Donc la méditation, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien de plus, finalement, que la répétition de quelque chose qui nous est naturel. Par exemple, nous éprouvons tous, à un moment donné dans notre existence, espérons-le le plus souvent possible, des moments d'une bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un être cher. Ça peut être un enfant, un parent, un compagnon, un animal, où nous n'avons d'autres pensées ou d'autres souhaits que d'accomplir le bien de cet enfant, qu'il puisse-t-il être en sécurité, être heureux, s'épanouir, etc. Mais cette pensée ne dure pas très longtemps. Il y a d'autres choses qui nous viennent à l'esprit, ou quelqu'un rentre dans la pièce et on est distrait au bout d'une minute. Si au lieu d'être distrait, on emplissait notre paysage mental de cette pensée et qu'on la cultive non seulement pendant 30 secondes, mais pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Cultiver, ça veut dire la faire venir, la faire naître en nous, la nourrir au fur et à mesure de chaque moment qui passe. Si elle décline un peu, la raviver. Si nous sommes distraits, y revenir. Donc maintenir une vision, disons, de qualité, stable, claire, intense, durable de cet amour altruiste. Et cet exercice en lui-même fera que, peu à peu, nous allons changer. Si l'on veut utiliser le langage des neurosciences, il y aura un effet de neuroplasticité, c'est-à-dire quelque chose que nous faisons pendant un quart d'heure tous les jours. Il est certain que ça va entraîner des changements dans notre cerveau, fonctionnellement et structurellement. Et les neurosciences ont montré que c'était bien ça qui se produisait. Vous citez notamment une expérience que vous avez réalisée en tant que cobaye avec une neuroscientifique du nom de Tanya Singer en 2007, je crois, où elle travaillait par imagerie laser sur justement le cerveau et les zones du cerveau activées lorsque des sujets assistaient à une scène catastrophique ou triste pour essayer de situer la zone activée par l'empathie. Elle vous a demandé de participer à cette expérience et alors que vous méditiez sur la compassion et la conclusion de cette expérience et que lorsque vous méditiez sur la compassion et sur l'amour, les zones activées étaient différentes. Oui. Et il s'agissait de zones liées à des émotions positives alors que la détresse empathique généralement interagit avec des zones négatives. Donc en fait la méditation a des bienfaits au niveau neurologique qui sont immédiats, où il faut une certaine pratique pour que de la méditation, on puisse interagir avec cette neuroplasticité. Alors, tout entraînement, quel qu'il soit, entraîne la neuroplasticité. Et pas toujours dans le bon sens. Si vous faites des jeux vidéo violents, vous allez avoir une neuroplasticité, mais vers l'agressivité et la désensibilisation à l'égard des souffrances d'autrui. Ça a été montré très, très clairement. Donc, c'est le cas des enfants. Plus ils pratiquent ces jeux vidéo violents, plus ils ont tendance à l'agressivité, ou des troubles de personnalité, etc. Ça a été montré par des centaines d'études, donc il n'y a pas de doute là-dessus. En ce qui concerne l'expérience à laquelle vous faites allusion, donc Tanya Singer est probablement la plus grande spécialiste, enfin, une des plus grandes spécialistes de l'empathie en neurosciences. Elle est directrice maintenant du laboratoire de neurosciences à l'Institut Max Planck de Leipzig. Et donc, elle a étudié l'empathie, qui était justement cette résonance affective avec la souffrance de l'autre, avec la souffrance ou avec n'importe quelle émotion de l'autre. Il y a aussi un autre aspect de l'empathie, qui est l'empathie cognitive, qui consiste à se mettre à la place de l'autre, d'une part, ou à imaginer ce que l'autre ressent sans nécessairement se mettre soi-même, c'est-à-dire sans penser soi-même qu'est-ce qu'on ressentirait, nous, à sa place. Bon, toujours est-il que, comme elle voulait voir ce que ça donnait avec des méditants à long terme, je suis loin d'être le meilleur d'entre eux, mais bon, je me suis prêté à ces expériences parce que j'étais là. Et donc, quand je suis rentré dans l'IRM, donc c'est un IRM, ça, en fait, ça c'est des champs magnétiques. Heureusement, vous avez mentionné le mot de laser. Si c'était des lasers, j'aurais plus beaucoup de cellules cérébrales. Elles seraient complètement cramées depuis longtemps. Au bout de 120 heures dans un IRM, il ne resterait plus grand-chose de mon pauvre cerveau.
Alors, bon, c'est des champs magnétiques. Et donc là, c'était une technique très pointue qu'on utilise peu parce qu'elle est assez aussi coûteuse. C'était à Maastricht, un chercheur qui fait de l'IRM fonctionnel en temps réel. C'est-à-dire que normalement, il faut attendre plusieurs jours d'analyse et beaucoup d'ordinateurs pour analyser les résultats. Tandis que là, on peut voir déjà les activités grossièrement. Si vous prenez une zone particulière du cerveau, comment est l'activation? Donc, on peut suivre au fur et à mesure l'activation des zones du cerveau. Donc, elle avait focalisé sur l'empathie, et c'est une zone qu'on appelle l'insula, qui est liée à l'empathie. Mais vous voyez aussi ce qui se passait ailleurs, dans le cerveau. Et donc, au bout de quelques... On passe généralement une heure dans un IRM à faire alterner entre des états neutres et des états d'empathie ou autre chose. Elle me dit, parce qu'on avait encore un lien par le son, hein, et qu'est-ce que tu fais? Ça ne correspond pas à ce qu'on voit d'habitude. Ah, je dis, ben voilà, moi je fais ce que je fais. Donc, donc elle m'a dit, ben écoute, interrompons un instant, on sort de l'IRM, on va parler, on va voir de quoi il s'agit. Donc on a discuté et je lui ai expliqué, voilà, moi j'essaie de méditer sur l'amour altruiste. Elle dit donc, c'est différent, semble-t-il. Et c'est là où on a eu cette idée que l'empathie et l'amour altruiste étaient deux choses très différentes. Et de fait, maintenant, un papier vient de sortir qui montre que c'est des aires différentes dans le cerveau. Donc, elle m'a dit, donc, essaie de méditer uniquement sur l'empathie. C'est-à-dire en pensant à la souffrance imagine la souffrance de... J'avais vu la veille au soir un documentaire sur la télévision anglaise sur des enfants dans un hospice roumain, des enfants qui étaient juste maintenus en vie, on leur donnait à manger, on les lavait, on les nourrissait, mais ils étaient d'une fragilité incroyable. Certains se brisaient les os en marchant, mentalement et physiquement. Donc je visualisais le plus possible ces souffrances, uniquement ces souffrances, sans, comme je l'aurais fait d'habitude, engendrer un grand amour pour ces enfants, mais uniquement cette résonance. Et très vite, au bout d'un certain nombre de répétitions de ce cycle de visualisation, j'ai ressenti cette détresse, cette empathique, cet épuisement émotionnel, donc le burn-out. Au bout d'une heure, il était vers 11h30 ou vers midi, et Tania Singer me dit, normalement, on doit faire une session sur la compassion, mais comme on a déjà été longtemps dans l'IRM, est-ce que tu veux arrêter pour midi et on reprend cet après-midi? J'ai dit non, parce que je voudrais bien faire ça maintenant, parce que ça devient assez insupportable. Ce burn-out en ne faisant que de l'empathie, c'était insupportable. Donc, je passe donc à la méditation sur l'amour altruiste, tout en visualisant les mêmes enfants, mais cette fois-ci, comme si j'avais un flot d'amour qui allait vers ces enfants, qui, tout embrassant, comme si chaque atome de souffrance était imprégné d'un atome d'amour, comme si des flots d'amour allaient vers ces enfants. Et là, c'était complètement différent subjectivement. C'est quelque chose d'extrêmement positif. C'est-à-dire que ce n'est pas que vous trouvez la souffrance acceptable, mais c'est qu'au lieu de la prendre avec une sorte de détresse angoissée, anxieuse et sans trop savoir quoi faire, c'est comme une mère avec son enfant qui n'est qu'amour et vous imprégnez cet enfant d'amour. Donc c'est quelque chose de positif. Du coup, on s'est dit, on parlait beaucoup dans le milieu médical d'usure de la compassion. Et on s'est dit, il n'y a pas d'usure de la compassion parce que la compassion, la bonté, c'est, en gros, on peut dire c'est illimité, ça ne fatigue pas en plus. Mais par contre, il y a une fatigue et une usure de l'empathie. Et donc c'était un concept intéressant parce que jusqu'alors, on n'avait pas vu des choses comme ça. Du coup, les conséquences de ça, c'est que si on pouvait entraîner le personnel soignant à l'amour altruiste et à la bienveillance spécifiquement, c'est-à-dire leur faire un stage, ça pourrait être un remède efficace au burn-out, puisqu'on sait, en tout cas en Amérique du Nord, que 60% de toutes les personnes qui travaillent dans le monde du soin ont souffert ou vont souffrir d'un burn-out dans leur carrière. Donc c'est un problème très important. Alors maintenant, au vu de cette collaboration, Tania Singer a obtenu une subvention de la Commission européenne pour mener une expérience sur un an avec 400 volontaires, 200 qui vont faire ces différentes nuances de l'empathie, de la compassion, de l'amour altruiste, et 200 qui font un programme d'entraînement psychologique différent sur la mémoire, etc., pour pouvoir comparer. Et il semble, d'après les résultats préliminaires, qu'il soit très clair
que l'empathie toute seule, les gens très rapidement ont une vision très négative de la souffrance, tandis que ceux qui font de l'amour altruiste, ils peuvent l'aborder de façon beaucoup plus positive. D'accord. Donc nous savons que nous avons tous en nous donc cette empathie, à part quelques exceptions. Enfin, vous citez le cas des psychopathes, par exemple, qui ne voilà. Mais d'une manière générale, nous avons donc tous cette capacité à raisonner avec les sentiments d'autrui. Donc, comme on l'a dit, qui peut devenir sollicitude et se transformer en altruisme véritable. Donc ça occupe la première partie du livre. Il y a une partie extrêmement intéressante où vous vous interrogez sur les origines de l'altruisme, une partie qui s'intitule « L'émergence de l'altruisme ». Alors là, vous posez des questions fondamentales de, par exemple, l'altruisme est-il inné ou comment est apparu l'altruisme au cours de l'évolution humaine. Donc c'est une partie qui est absolument passionnante. Donc à moi de vous poser la question, l'altruisme est-il inné ? Alors tout dépend à quel niveau de l'évolution, bien sûr. Ce qu'on peut dire, avant de parler d'altruisme qui implique une motivation, c'est-à-dire qu'un ver de terre, évidemment qu'il va éviter la souffrance, enfin disons ce qui nuit à son intégrité physique et ce qui empêche sa survie. Donc si vous le mettez sur une plaque chaude, il va s'en aller. S'il va à un point où une nourriture ou un milieu favorable, il va aller vers ce milieu. Et ça, ce n'est pas seulement les vers de terre, mais déjà des organismes très primitifs ont des tropismes. Ils s'éloignent de ce qui leur nuit et se rapprochent de ce qui favorise leur survie. Mais enfin, il n'y a pas une conscience de soi, il n'y a pas l'idée « je fais ça pour quelqu'un d'autre » ou « je fais ça ». Bon, il y a moins cette pensée réflexive, évidemment. Donc, au départ, avant de parler même d'altruisme, on peut parler de coopération, qui est en fait un peu aussi, c'est de la famille de l'altruisme, mais qui n'implique pas nécessairement une motivation très réfléchie. Et la coopération, d'après le système de pensée le plus récent de l'évolution, le plus intéressant à mon sens, la coopération a été beaucoup plus créatrice dans l'évolution que la compétition. À savoir que la coopération est ce qui a permis de passer à des degrés de complexité supérieurs. Vous passez d'un organisme monocellulaire à multicellulaire, il y a une coopération entre ces cellules. Elles sont forcément, elles doivent être intégrées d'une certaine synergie. De même, les animaux sociaux, eux sociaux, etc., c'est une coopération évidente. Donc, et l'être humain, selon l'un des théoriciens de cette courant d'idées, qui s'appelle Martin Novak, qui est professeur à Harvard, l'être humain est un super coopérateur. C'est-à-dire que nous coopérons à un point qui n'a jamais, disons, très rare dans les sociétés sociales, puisque nous coopérons avec des gens de façon active et permanente, avec des gens qui ne sont pas liés génétiquement à nous du tout. Donc ça s'étend à beaucoup plus. Donc ça, c'est le germe, si vous voulez, de ce qui ensuite, sur le plan psychologique, si vous coopérez avec quelqu'un, il vaut mieux bien s'entendre avec lui, disons, ou avec elle. Et donc, du coup, ça va donner, quand on a la faculté de réfléchir ou d'avoir des intentions conscientes, cette idée de coopérer de façon constructive avec quelqu'un va donner lieu à la motivation que vaut mieux que cette personne aille bien, qu'elle soit en bonne santé, et donc souhaiter son bien. Et là, ça devient une motivation altruiste. Donc, chez l'être humain, déjà, on peut observer ça. Bon, évidemment, chez les animaux, on ne peut pas leur demander quelles sont leurs motivations, et c'est difficile de juger des motivations. Mais enfin, malgré tout, il y a des comportements pour lesquels l'explication la plus simple est qu'il y a une motivation altruiste. Et on trouve ça chez les animaux supérieurs notamment. Pour donner juste deux ou trois exemples, par exemple, l'histoire d'une rapportée par Franz De Waal, qui a écrit « L'âge de l'empathie », que j'ai rencontré de nombreuses fois, et qui décrit une vieille chimpanzée qui était tellement perclue de rhumatisme qu'elle avait du mal à aller vers le point d'eau pour boire, qui était assez loin de l'endroit où elle avait son gîte. Et donc, des jeunes chimpanzés, des jeunes femelles, qui n'étaient pas apparentées à elle, voyant qu'elle se levait pour aller vers l'eau, allaient vers l'eau, se remplissaient la bouche d'eau, revenaient vers cette vieille chimpanzée qui avait la bouche ouverte et lui injectaient de l'eau. Elle faisait ça trois fois par jour. Donc, je veux dire, bon, en gros, à part une motivation altruiste, on ne voit pas très bien d'où ça pouvait venir.
Et des exemples comme ça, ça fourmille dans la vie des animaux, par exemple aussi, même entre les espèces. L'histoire d'une mère éléphante qui, voyant un petit rhinocéros qui s'était embourbé, est venu pour le sortir de la boue avec ses défenses. La mère rhinocéros, qui n'était pas très maligne, a pensé que la mère éléphante attaquait son enfant, l'a chargé, la mère éléphante, qui évidemment est partie, mais qui est revenue à plusieurs reprises. Et à chaque fois, la mère rhinocéros la chargeait, donc elle a fini par se lasser, mais en fin de compte, le bébé a réussi à s'en sortir. Mais il faut dire que cette mère éléphante a été très persévérante, puisque la troupeau s'était éloignée, elle était restée là, envers et contre tous, pour essayer de sortir ce bébé rhinocéros de la boue. Moi, je veux dire, quand même, c'est, l'explication la plus simple, c'est qu'elle avait envie de le faire pour son bien. Donc, déjà, si c'est présent chez les animaux, ça serait quand même dommage que ce soit pas présent chez les hommes. Alors, on a pu montrer de la même façon que chez des très jeunes enfants. Et c'est là aussi on montre que l'altruisme est inné, avant même qu'il soit influencé par la culture, par même l'enseignement des parents, par l'exemple, par les normes sociales, etc., etc. Dès le plus jeune âge, les jeunes enfants ont une préférence pour les gens altruistes. Et ce n'est pas seulement les gens altruistes en fonction de la façon dont ils les traitent, parce que ça serait trop facile. Hein, si vous fichez une claque, ils préfèrent les gens qui leur donnent des bonbons, ça c'est clair. Mais non, un enfant d'un an, ou même on a fait ça avec des enfants de 8 mois, on leur montre des personnages, soit des marionnettes, soit des petites boules avec des yeux, etc. Certaines qui se comportent de façon agressive vis-à-vis d'une autre, certaines qui se comportent de façon gentille, etc. Et après, on tend ces objets, soit des marionnettes, soit d'autres formes d'objets, vers ces enfants, et on voit vers laquelle leurs regards et leurs mains vont, et dans 95% des chances, des fois, ils veulent la marionnette altruiste, celle qui s'est bien comportée à l'égard de l'autre, pas à l'égard d'eux-mêmes. De même, les enfants sont des coopérateurs inconditionnels dès qu'ils savent marcher à quatre pattes. C'est-à-dire que si un expérimentateur laisse tomber quelque chose, qu'il est sur un tabouret, il fait tomber un objet, il ne peut pas le rattraper, l'enfant délaisse ses jeux pour se précipiter l'aider. Ça, c'est dans 98% des cas. Et s'il voit bien la différence, parce que si l'expérimentateur jette quelque chose, l'enfant ne bouge pas. Donc il se déplace quand il sait que l'expérimentateur a besoin d'aide. Donc tout ça, ça se fait avant que l'enfant parle, avant que l'enfant puisse recevoir une éducation. Et on a même montré que les encouragements ne servent à rien, ils le font spontanément. Et même si on les récompense, c'est pas bon, ça diminue. Parce qu'ils font ça pour aider et non pas pour avoir une récompense. Pour des enfants un peu plus âgés, ça a été montré de façon très intéressante. On demandait à des jeunes enfants de 7-8 ans d'aller rendre visite à des personnes âgées à l'hôpital pour leur apporter une présence, etc. Donc les enfants allaient en tant que volontaires, ils allaient voir des personnes âgées, des gentils avec eux. Et puis, à la moitié de ces enfants, on donnait une récompense, hein, une boîte de crayons ou autre chose. À l'autre moitié, non. 15 jours plus tard, vous demandez à ces enfants s'ils veulent à nouveau revenir aider les personnes à l'hôpital. Eh bien, les enfants qui ont reçu une récompense viennent moins que ceux qui n'en ont pas reçu. Parce que ceux qui ont reçu une récompense, ils disent « bon, ben, je ne veux pas y aller pour une boîte de crayons ». Tandis que les autres, ils y vont parce qu'ils ont envie d'aider. Et ça, c'est la même chose se produit chez les adultes, puisqu'en Angleterre, à un moment donné, les dons de sang étaient bénévoles. Je crois qu'en France, c'est toujours le cas, je ne sais pas. Oui, non. On ne vous paie pas pour recevoir, on ne vous donne pas des sous. Bon, très bien. En Angleterre, donc, à un moment donné, il y avait une pénurie de sang. Donc, on s'est dit, on va donner l'équivalent de 50 euros à chaque fois que les gens donnent du sang. Eh bien, le nombre de personnes a baissé. Parce qu'il n'y a plus que les gens qui faisaient ça pour de l'argent. Les autres ont dit, moi, je ne vais pas aller donner mon sang, je ne vais pas pour 30 euros. Il y aura plein de gens qui vont le donner parce qu'ils veulent de l'argent. Moi, je fais ça parce que j'ai envie d'aider. Donc, du coup, je n'y vais pas. Et en fait, ça a démotivé les gens. Donc, il faut vous dire que, en gros, les gens ne le font pas avec l'idée d'une récompense ou de louange ou autre chose. Ils le font parce qu'ils ont envie d'aider. Mais vous précisez quand même que l'altruisme s'éduque chez les enfants. Il y a toute une partie autour de l'éducation, justement, qui est intéressante. Parce que vous vantez les mérites de la coopération dans différents domaines, d'ailleurs, que ce soit l'éducation, l'environnement. La coopération est vraiment une clé
importante. Mais pour en revenir à l'éducation, comment peut-on faire pour éduquer la bienveillance dans des écoles ou... Ah, d'abord, du point de vue des parents, la force de l'exemple. Alors, il ne s'agit pas de forcer les enfants à être altruistes, mais la force de l'exemple est très importante aussi. Il a été montré que les parents qui s'engagent dans des activités bénévoles ou qui ont tendance à s'entraider avec les voisins ou à participer à des travaux communautaires, eh bien, les enfants, naturellement, suivent le pas. Et ils aiment beaucoup ça. Moi, je vois très bien dans les sociétés collectivistes comme au Népal ou au Tibet... Oui, souvent, il y a des familles assez nombreuses. Mais un enfant de 7 ans, il va porter son petit frère ou sa petite sœur de 3 ans sur le dos. Et ils sont extrêmement responsables. J'ai bien regardé, quand la mère n'est pas là, ils s'en occupent tout aussi bien. Et la mère sait que ça c'est le cas et elle ne s'inquiète pas. Donc c'est monnaie courante. Donc le fait de... Les enfants aiment ça en plus. Donc le fait de s'impliquer dans le service d'autrui et par l'exemple est quelque chose de très important. Dans l'éducation, une bonne partie de l'éducation moderne est fondée sur la compétition. C'est-à-dire il y a les meilleurs en classe, les moins bons, des examens, etc. Les notations qui... Ça encourage en tout cas la discipline, le travail, on va être dans les premiers, aussi un peu les différences et les discriminations. Il a été montré que l'éducation coopérative est plus efficace. Ça consiste par exemple, et il y a des centaines d'écoles dans le monde qui le font, ça ne suffit pas, il faudrait que ce soit un peu partout. Ça consiste par exemple à rassembler plusieurs fois dans la journée, au moment où ils étudient une leçon, des enfants par groupe de 5 à 6, en mettant des bons élèves avec des moins bons élèves, en mélangeant les sexes, les races, si c'est le cas. Et ils apprennent, par exemple, ils ont, disons, 3 quarts d'heure, ils apprennent en 10 minutes, ils apprennent chacun un bout de la leçon, ensuite ils reviennent ensemble, et puis ils s'apprennent les uns les autres, et les meilleurs élèves aident ceux qui sont moins bons, etc., etc. Le résultat, c'est que d'abord, il y a une meilleure entente entre les enfants, donc moins de brimades, on n'a pas ce phénomène de bizutage et autres. Deuxièmement, de meilleurs résultats scolaires, parce que ça motive tout le monde. Meilleur rapport avec les professeurs, donc en gros, meilleure atmosphère dans la classe. Une classe plus studieuse, plus attentive, plus joyeuse et plus, etc. Donc, on a tout avantage à faire ça. On a montré aussi, par des études récemment à Madison, au Wisconsin, il y avait des enfants de maternelle, que pendant, si on faisait une intervention 30 minutes ou 40 minutes, 3 fois par semaine... sur la pleine conscience, c'est-à-dire qu'on apprenait les enfants à observer leur respiration. Ils étaient allongés avec un caillou ou un petit galet ou une ours en plus sur la poitrine et ils observent leur respiration qui va et qui vient, ou bien à observer leurs émotions. S'ils sont tristes, on leur demande comment ils se sentent, où est-ce que ça leur fait quelque chose dans la poitrine. Et puis on demande à un autre enfant de venir, il dit « Voilà ton camarade, qu'est-ce que tu penses qu'il sent ?» Il dit « Il est triste. Et toi, qu'est-ce que tu sens ?»« Je me sens un peu triste aussi. » Et puis ils plantent des graines de l'amitié. C'est-à-dire qu'ils mettent des graines au début des 10 semaines, et puis les graines commencent à germer, et puis on leur montre qu'il faut prendre soin des graines, il faut aussi prendre soin de l'amitié. Quand la graine est germée, ils les échangent. C'est-à-dire qu'ils doivent donner leur plante à un autre, et ils reçoivent celle d'un autre, etc., etc. Résultat, au bout de 8 à 10 semaines, les comportements prosociaux des enfants sont nettement améliorés. Moins de conflits, plus de convivialité, etc. Et puis on leur fait faire passer un test, qui est le test des autocollants, le test ultime, à savoir que vous déterminez avant l'intervention qui dans la classe, et pour chaque enfant, est leur meilleur ami, quel est leur moins bon ami, et puis on donne 4 enveloppes avec la photo de leur meilleur ami, de leur moins bon ami, d'une enfant inconnue et d'une enfant malade. Et on leur donne une 50aine de stickers, on dit voilà, tu donnes ça à qui tu veux. Avant l'intervention, comme vous l'imaginez, donne tout à leur meilleur ami. Après l'intervention, les chercheurs se sont dit, bon, il va peut-être avoir une petite différence. C'était plus qu'une petite différence, puisque ça avait complètement nivelé les différences. C'est-à-dire que les enfants donnaient autant à leur meilleur ami qu'à leur moins bon ami. Donc vous aviez éliminé les discriminations. Et quand on sait à quel point les discriminations donnent lieu à toutes sortes de difficultés et de souffrances dans la société, on voit que si des interventions très simples avec des enfants jeunes peuvent gommer ces discriminations, on voit les avantages de cela.
Cette étude maintenant est en train d'être repliquée sur un plus grand nombre d'enfants et aussi un suivi 6 mois après. Et les résultats préliminaires indiquent qu'il semble que cette absence de discrimination se maintient. Et donc, c'est quand même un atout tout à fait extraordinaire. Vous consacrez une longue partie du livre aussi, qui s'intitule Force contraire, donc ils sont toutes les forces contraires à l'altruisme. Sans surprise, justement, c'est une longue partie, les forces contraires sont assez nombreuses. Parmi le pire ennemi de l'altruisme, on va dire ça comme ça, c'est l'ego, c'est ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'on a tendance à s'enfermer dans la bulle de l'ego, et ce qui provoque individualisme, narcissisme. Il y a également toute une partie sur la violence. Et alors maintenant qu'on a montré que l'altruisme était quand même immanent à l'évolution et apparaissait très très jeune, qu'en est-il de la violence? Est-ce qu'on peut parler d'un instinct violent chez l'homme? Alors chez les enfants, parce que les enfants, une des choses qui les caractérise avant l'âge de 5 ans, c'est quasi absence de régulation émotionnelle. Ça, ils vont passer des pleurs à la joie, on le voit bien, instantanément, mais aussi de l'entraide, j'ai parlé de la coopération, à des actes un peu plus brutaux. Donc ils vont jeter des trucs, ils vont se mettre en colère, ils vont taper le voisin. Alors ça ne prête pas à conséquence parce qu'ils n'ont pas de force physique. Mais si nous avions le même type de comportement à l'âge adulte, ça ferait des dégâts. Mais ça ne se fait que jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, les enfants d'abord apprennent à réguler leurs émotions et surtout ils apprennent la limite au-delà de laquelle ils ne doivent pas accomplir cette violence vis-à-vis des autres. Donc la vaste majorité des enfants à l'âge de 5 ans cessent ces comportements très impulsifs, un peu violents. Il y en a un très faible pourcentage, 15% environ, qui maintient ces comportements. Et si on les suit, on s'aperçoit que c'est ces 15% qui ont le plus grand nombre de chances, de probabilités, après d'avoir devenir délinquants, d'avoir affaire à la justice, etc. Donc ils ont eu plus de mal à réguler ces comportements. Donc ça, c'est un fait. Ça permet de comprendre mieux, de suivre ses enfants, d'essayer de les aider. Il y a des raisons à ça, très multiples et complexes, notamment dans les milieux très défavorisés. Les enfants, par exemple, les plus à risque sont les enfants de mères célibataires très jeunes, hein, 18-19 ans, qui ont du mal à gérer tout ça. Et ça accentue la probabilité que l'enfant maintienne ses comportements. Bon, ça, c'est toute une histoire. Mais ce qui importe, c'est que, de toute façon, normalement, la régulation émotionnelle se met en place vers l'âge de 4-5 ans. Alors, il y a des gens qui ont dit « l'homme a un instinct de violence ». Des gens comme Konrad Lorenz et bien d'autres, Freud aussi, et certains paléontologistes ont dit « l'homme est naturellement violent ». Hobbes disait ça, « laissez-les tranquilles, ils vont s'entretuer tous les uns après les autres ». Alors, ça, c'est de nouveau été montré comme étant complètement faux. L'homme n'est pas constamment en train d'essayer de réprimer son instinct de violence, c'est pas vrai, ça a été montré maintes et maintes fois. On a largement exagéré, même chez les singes soi-disant très violents, la fréquence des comportements agressifs. Et Franz De Waal, justement, qui ne sentait pas à l'aise avec ce concept de Konrad Lorenz et des autres, a décidé d'observer pendant des très longues périodes, hein, jour après jour, une espèce de singe qui était réputé comme les plus agressifs qui soient. Et il s'est aperçu qu'évidemment, si vous en mettez 150 dans une même cage, il se passe toujours quelque chose quelque part. Disons, pendant une heure, il y aura bien une petite bagarre. Mais que si vous suivez chaque individu précisément, même si ces singes sont réputés si agressifs, il n'y avait un conflit pour chaque individu donné que tous les 3 ou 4 jours. Et le reste du temps, ils étaient là à s'épouiller, à faire plein de trucs ensemble. Donc, bon, ils étaient un peu soupaulés, mais en gros, on ne peut pas dire que l'agressivité régnait dans leur comportement. Donc ça, je crois que c'est un de ces préjugés qui ne se vérifie pas lorsqu'on étudie sérieusement les comportements humains et animaux. Vous parlez donc, on a parlé de l'éducation, vous abordez aussi les thèmes de l'économie, de l'environnement aussi, où vous prêchez donc toujours les vertus de la coopération. Vous citez quand même de nombreuses initiatives prises dans le domaine, par exemple, que ce soit des banques coopératives, le commerce équitable, vous en citez plusieurs.
dans le domaine de l'environnement également. Est-ce que vous sentez que, mine de rien, il y a quand même une prise de conscience altruiste qui émerge depuis quelques décennies? Mais il y a une économie qu'on appelle l'économie positive. Vous avez, par exemple, le rapport de l'économie positive qui a été présenté par Jacques Attali, président de la République. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais toujours est-il que ce rapport a été fait. Moi, j'y ai participé un petit peu. Et il y a un certain secteur de l'économie qui ne représente pas grand-chose encore, 5%, mais ce n'est pas si mal, par rapport à rien du tout avant. Et c'est un secteur qui est en pleine croissance, en plein développement, qui regroupe, si vous voulez, le commerce équitable, les fonds éthiques, les fonds responsables du point de vue de l'environnement, les banques coopératives comme la NEF en France. Vous avez aussi les coopératives, hein, la plus grande coopérative au monde, Mondragon, au Pays Basque espagnol, maintenant un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars. C'est la 7e entreprise espagnole et entièrement coopérative, sur les employés qui nomment les patrons depuis toujours. Et l'écart entre le plus gros salaire et le plus petit salaire était de 3, maintenant il est de 6 maximum. Ça marche très bien depuis 25 ans, 30 ans. Donc il y a des exemples comme ça. Et l'idée, c'est de proposer aussi peut-être une bourse de l'économie positive qui regrouperait sous une ombrelle tout cela. Donc, il y a eu quelques germes de cela en Angleterre. Et maintenant, je viens de voir récemment qu'une Américaine a proposé d'introduire ça à la bourse de New York. Ils ont calculé que si même 1% des investisseurs investissaient dans cette espèce de Nasdaq de l'économie positive, ça représenterait déjà 150 milliards de dollars. Donc, c'est des sommes considérables. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se développer et qui est concevable. On voit aussi que, par exemple, au travers des réseaux Internet, il y a, par exemple, le financement par en masse, c'est-à-dire le crowdfunding, où 100 personnes peuvent donner chacune 20 euros pour faire des toilettes pour une école de filles dans le sud de l'Inde, et en 8 jours, vous avez atteint votre objectif. Ma chère mère, qui vit pas loin d'ici et qui a 90 ans, a acheté une chèvre à une dame dans le Ghana ou je sais pas où, et donc m'a dit récemment que la chèvre était morte. Bon, je suis désolé, mais toujours est-il qu'on peut faire ça sans bouger, à distance, et ça fait partie de cette économie positive. Donc, voilà, c'est encourageant. Et il y a aussi de plus en plus d'économistes de renom, comme Joseph Stiglitz, qui dénonce le fossé des inégalités. Il montre que c'est plus un pays a des inégalités importantes, moins finalement ce pays a une harmonie sociale prospère, l'éducation est moins bonne, la santé est moins bonne, donc ça nuit au pays qui a trop d'inégalités. Et c'est injuste, évidemment, du point de vue social. Donc il y a toutes sortes de... J'ai un autre ami économiste, qui s'appelle Denis Snower, qui dit que l'économie classique, c'est le choix rationnel pour maximiser vos préférences, etc. Mais que cet homo economicus, qui est une sorte de caricature de l'être humain, qui ne s'occupe que de lui, les gens ne sont quand même pas comme ça, eh bien, il ne peut jamais résoudre deux problèmes majeurs de notre époque, à savoir la pauvreté au sein de la richesse et le problème des biens communs, c'est-à-dire la qualité de l'air, des océans, l'avenir de l'environnement, la démocratie. Des biens communs, c'est quelque chose qui profite à tous, mais si vous faites un effort pour garder l'air pur, ça vous coûte quelque chose et vous n'en avez pas les retours ne sont pas uniquement pour vous, mais pour l'ensemble de la planète. Donc il y a un certain coût, pourrait-on dire, et l'homo economicus ne peut pas fonctionner comme ça. Donc il dit qu'il faut, à côté du choix rationnel et de la voie de la raison, il faut la voie du care, c'est-à-dire la voie de la sollicitude. Donc il y a des grandes voies de l'économie qui vont dans ce sens, et c'est plutôt rassurant, et il y en a de plus en plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu Ricard. Merci beaucoup.